Bonjour. Aujourd'hui, pour notre cours de karaté, nous allons étudier le mouvement Oitsuki. Oitsuki, en japonais, ça veut dire coup de poing en poursuite. C'est un mouvement, c'est un coup de poing du type de celui qu'on a vu dans un autre cours, qui s'appelait Karatsuki, qui était un mouvement qui se faisait sur place, coup de poing direct. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser un déplacement pour nous approcher de l'adversaire et réaliser le coup de poing donc qu'on avait étudié. Je remontre ce coup de poing que nous avions étudié 2-3 fois. Quatre fois même. Voilà, donc ce mouvement, on en avait bien fait le tour. Si jamais vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous en avez mémorisé, vous pouvez retourner sur ce cours et revenir ensuite sur le cours pour le Oizuki. Et le Oizuki, on va démarrer directement maintenant en faisant un travail de face où vous allez un petit peu regarder le mouvement que je vais faire et à un moment donné, comme d'habitude, je vais vous demander de vous joindre à moi. Donc pour l'instant, je prends une position qui ressemble à ce qu'on prenait comme position l'autre jour, mais je suis un peu plus fléchi sur mes jambes de façon à être quasiment à la hauteur à laquelle je veux être à la fin de mon mouvement. J'ai le poing droit devant, je vais avancer mon pied gauche et frapper avec mon poing gauche. Simultanément. Je reviens, je laisse le poing qui est devant, devant, et je recommence avec, en faisant le mouvement de l'autre côté. Vous voyez que, en ce qui concerne les bras, on retrouve exactement les mêmes composantes que le mouvement qu'on avait fait sur le karatsuki, sur le coup de poing direct sur place. Vous vous rendez compte maintenant que dans le déplacement, il y a un moment où je donne mon coup de poing. Ce moment, c'est le moment où je pose mon pied devant. C'est-à-dire que je cherche une simultanéité parfaite entre la pose de mon pied et l'arrivée de mon poing à destination. Pour quelle raison? Pour une raison très simple, c'est que lorsque j'avance, mon corps prend de la vitesse, il y a une certaine énergie cinétique, et si j'arrive à intégrer le mouvement de mon bras dans cette force du corps, dans ce mouvement du corps, à ce moment-là, la force de mon bras vient s'ajouter à la force de mon corps, et mon mouvement sera beaucoup plus efficace que si par exemple je posais d'abord mon pied, je redevenais statique, et que je donnais un mouvement ensuite. D'autant que dans ce mouvement, contrairement à celui de l'autre jour, il n'y a pratiquement pas de mouvement de hanche, on va chercher la force dans la translation frontale du mouvement et très peu dans un mouvement de rotation de bassin, considérant également que dans certains styles, dans certaines écoles de karaté, on pourra avoir une rotation finale comme ceci qui donnera la force au mouvement. Donc ça dépend sous quel angle on se place et c'est toujours fonction de l'école qu'on pratique bien sûr. Alors maintenant, on va faire ce mouvement ensemble comme on le fait d'habitude. On va se mettre en miroir. Vous allez mettre votre poing droit devant. Vous allez fléchir vos deux jambes. Et vous allez avancer votre jambe gauche. Vous, là c'est ma droite, mais vous c'est la gauche. Pour donner le coup de poing avec votre poing gauche. On fait ça ensemble et doucement. Je pars. Vous partez en même temps que moi. Et maintenant, on va être décalé. Je pars avant vous, vous me laissez faire. Et vous. Vous me laissez faire. À vous. Nous allons faire ça de profil maintenant, parce que lorsque vous allez voir la position de profil, vous allez voir peut-être des choses que vous ne voyez pas forcément de face parce que c'était un peu plus difficile. Lorsque je suis de profil, vous allez remarquer notamment que ma jambe avant est bien pliée et que ma jambe arrière est quasiment tendue. Donc le poids du corps est plutôt sur l'avant, c'est une position en fente avant. En même temps, vous allez bien regarder de nouveau la chronologie des événements du mouvement. Mon corps avance et au dernier moment, mon poing frappe. Donc on peut faire ça en miroir également,
vous vous mettez de profil, vous mettez votre poing droit devant, et pendant que je vais frapper avec mon poing droit, vous, vous allez frapper avec votre poing gauche. Vous regardez en face de vous, je vous donne le temps pour le mouvement, et ensuite vous regarderez vers l'écran pour voir dans quelle position je suis et comparer à votre position. Allez-y. Maintenant vous regardez et vous revenez. Vous regardez en face de vous, je fais le mouvement, allons-y. Vous regardez l'écran, vous regardez si votre position correspond à la mienne. Et on fait ça encore une fois. On est revenu, on y va. Vérifiez. On revient maintenant. Et maintenant, vous allez pouvoir faire ce mouvement de l'autre côté, bien sûr, avec l'autre poing, quelquefois en face. Et pour ce faire, je vous laisse quelques minutes sur une pause image et je vous retrouve ensuite. Bien, nous continuons notre cours sur Oizuki, le coup de poing en poursuite, le coup de poing en avançant. Vous remarquez que j'ai positionné deux ceintures parallèles sous mes pieds et ces deux ceintures représentent l'écartement, un petit peu moins de l'écartement latéral que je dois avoir entre mes pieds. Il est évident que si dans un mouvement je mettais mes deux pieds sur la même ligne, je ne serais pas très stable et si j'écartais par trop mon pied avant, je ne serais pas très stable non plus. Donc, il va y avoir une position idéale dans laquelle j'aurai le plus de stabilité possible. Cette position, c'est à peu près la largeur de mes hanches, puisque j'avance mes hanches. Lorsque je vais avancer, je vais donc avoir un pied devant l'autre, forcément, et le pied arrière va légèrement tourner, mes hanches seront très légèrement tournées, donc il faut entre mes deux pieds, latéralement, la largeur de mes hanches, pour que je sois stable. Sachant en plus que ma jambe arrière est quasiment tendue, si j'avais les deux jambes pliées, ce serait facile d'être comme ça, mais avec la jambe arrière tendue, je vais être obligé d'avoir un peu d'écartement latéral. Alors comme c'est quelque chose qui est assez difficile à faire au départ, on prend un repère qui va nous permettre de le faire correctement. Donc ce que je vous demande, c'est de mettre deux ceintures par terre devant vous, de vous mettre en face de l'écran, et d'attendre d'abord que je vous montre ce que nous ferons ensemble, et je commence par le faire moi-même. Je suis donc dans la position dans laquelle j'étais tout à l'heure, je plie mes jambes, et lorsque je vais avancer mon pied gauche, vous voyez que mes deux pieds sont de chaque côté des deux ceintures, et si j'avance mon pied droit, vous voyez que mes deux pieds sont toujours de chaque côté des deux ceintures. Donc maintenant, je recule, deux fois, et maintenant, au lieu de partir de la position debout, qu'on appelle la position yo-yo, on va partir directement du coup de poing déjà effectué. Je recommence, je recule deux fois et de nouveau. Avec moi, maintenant vous avez le poing gauche et le pied gauche devant et on fait ça tout doucement et ensemble. On recule. Maintenant on va se décaler un petit peu puisque vous avez vu que quand on le faisait ensemble et doucement, finalement le pied est posé avant que le poing ne frappe. Maintenant, je vais faire le mouvement, vous allez le faire après moi, et vous allez frapper avec votre poing au moment où votre pied est en train de poser par terre. Je recule de nouveau, et vous aussi. Vous avez toujours le poing gauche devant. Je fais le mouvement, vous le faites après moi. Je vous laisse suffisamment de temps à chaque fois pour voir si vous avez réalisé le même mouvement que moi. Petite chose importante, afin d'éviter de prendre un défaut déjà au départ, il est courant de voir des élèves qui n'ont pas fait trop attention au départ pivoter le pied avant de démarrer le mouvement. Ceci s'appelle un temps d'appel, c'est une façon de téléphoner son mouvement à l'adversaire. Quand il s'agit de faire du sport, c'est pas gênant puisqu'il n'y a pas d'adversaire, encore que dans certains sports il y a des adversaires, mais dans une discipline comme le karaté, vous êtes supposé surprendre votre adversaire. Si jamais vous tournez votre pied avant de partir, eh bien vous n'allez pas le surprendre. Donc il faut absolument démarrer votre mouvement et laisser votre pied se tourner dans le mouvement lui-même, plutôt vers la dernière partie du mouvement qu'au départ et en tout cas qu'avant le mouvement lui-même. Donc je remontre ça, si vous regardez bien, vous voyez que mon pied ne tourne pas au départ, mais qui tourne à la fin de mon mouvement. On refait encore ceci ensemble
De nouveau. D'ailleurs, là, on va changer. Maintenant, moi, je me mets à gauche et vous à droite. Ensemble. Maintenant, décalé. Je le fais à la même vitesse et vous le faites après moi. Et pour tenir compte de ce qu'on a fait dans un cours précédent, maintenant on va faire le mouvement au niveau de Jodhin, c'est-à-dire au niveau du visage. On revient. Maintenant au niveau Gedan, c'est-à-dire au niveau du bas-ventre. On revient. Bien. Une petite pause image, un petit entraînement personnel, et on se retrouve dans quelques minutes. Bien, nous nous retrouvons pour continuer sur notre mouvement Oizuki, notre coup de poing en avançant, coup de poing en poursuite, et nous allons travailler un petit peu maintenant la précision, d'abord sur une cible matérielle, ensuite sur un partenaire. Toutefois, je vous recommande une grande prudence si vous essayez de faire ça avec un partenaire. Ne faites pas exactement ce que je vais faire parce que je vais arriver très près du visage de mon partenaire. Vous, il faudra prendre beaucoup plus de distance tant que vous ne serez pas encore suffisamment exercé à ce travail. Donc, je vais demander à Jean-Claude de venir me servir de partenaire pour ce petit exercice. Et je vais d'abord frapper sur une cible que Jean-Claude tient dans ses mains. Donc je prends ma distance puisque je suis débutant, d'abord. Je fais attention lorsque je vais frapper de ne pas enfoncer trop la cible pour ne pas faire mal à mon partenaire et pour ne pas me faire mal au poing non plus, bien sûr. Je recule, je me place bien dans ma position de base, puis je fais mon mouvement. D'abord pas trop vite, puis de plus en plus vite. Et là, je comprends bien que si j'arrêtais mon pied et que je ne donnais qu'un coup de poing, je n'aurais que de la force dans le bras. Alors que là, je me sers de toute mon énergie cinétique pour avoir de la force dans mon coup de poing. Maintenant, il n'y a plus de cible. Je reprends ma position de base et je vais frapper au niveau de Jodhin haut, niveau de Chudan moyen, niveau Gedan bas sur Jean-Claude. Et bien sûr, malgré la vitesse, je contrôle bien mon mouvement. Maintenant, je me mets dans une configuration un petit peu différente, parce que dans la technique de base, on arrête les mouvements dans des positions un petit peu contraignantes, et s'il y avait à se mouvoir à ce moment-là, ce serait peut-être compliqué. Dans le combat, ce sera différent. On aura une position plus neutre, donc plus apte à nous laisser partir rapidement. Et en même temps, le bras qui aura frappé reviendra immédiatement pour être protégé après avoir frappé. Donc, ce que je vous suggère maintenant, c'est de faire les mouvements de cette façon-là, peut-être pas en prenant un partenaire, mais simplement en prenant une cible, une feuille de papier pendue, quelque chose en fait qui puisse représenter la matérialisation de votre mouvement, et vous entraînez à faire ceci. Et pensez bien surtout que lorsque vous êtes en train de faire le mouvement sur une cible, il y a de fortes chances pour que vous oubliez, que vous ne pensiez plus aux paramètres de la position de base, et là ce serait dommage parce que ce serait prendre des défauts qui seraient ensuite peut-être assez difficiles à perdre. Alors, dernière chose maintenant pour ce mouvement, c'est ses applications possibles. On va en voir une rapidement de nouveau avec Jean-Claude. C'est-à-dire qu'il m'attaque dans un mouvement de technique de base. Moi, je vais me défendre dans un mouvement qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on verra bientôt. Et je riposte en contrôlant bien mon mouvement.
Donc c'est une des applications possibles de ce mouvement que nous verrons dans un prochain cours ensemble sur Internet, si vous en avez le désir. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain cours.